commencer avec M. Angue Mezui, qui va répondre à une sortie du Premier ministre. Pas aussi étrange que ça puisse paraître. Le pouvoir est au courant que la transition est en marche. Et ils ont commencé à parler. Et maintenant, M. Angue Mezui. Vos acclamations. Vos acclamations, monsieur. Transition. Zéro mort. Transition. Zéro mort. Élection. Plusieurs mois. Élection. Plusieurs mois. Merci, mes chers compatriotes. Il m'a été demandé, effectivement, de répondre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, lors d'une sortie, a osé affirmer qu'il n'y aura ni prolongation des élections, ni transition politique et pacifique au Gabon. Je viens au sujet de la transition politique et pacifique pour faire comprendre à tous ceux qui ont écouté cette sortie, c'est que si ça avait été un non-événement, si la transition politique avait été un non-événement, le Premier ministre de la République ne répondrait pas. Si la transition politique n'avait pas véritablement pris l'adhésion du peuple, le Premier ministre ne répondrait pas, parce que ce serait un non-événement. Mais Amen. À partir du moment où le Premier ministre de la République prend la parole pour dire à la face du monde qu'il n'y aura pas de transition politique, c'est que quelque part, il y a déjà la marche vers la transition politique. Ah, bravo. Nous ne sommes pas en guerre contre ceux qui sont en face de nous. Ce que nous voulons, c'est d'appeler à la prise de conscience nationale et patriotique pour que les uns et les autres comprennent que la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui invite tout le monde à la sagesse. Et cette sagesse nous commande de marquer un arrêt et de repenser notre pays. Et l'arrêt que nous devrions marquer, c'est de passer par cette transition politique et pacifique chez nous. Elle est inévitable. La transition est inévitable. Qu'on le veuille ou pas, elle va s'imposer. Bravo. Elle va s'imposer parce que le peuple gabonais aspire au mieux-être. Parce que le peuple gabonais aspire à ce qu'on lui apporte un respect. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons les partisans de toute élection, nous nous rendons compte qu'aucune condition n'est réunie pour les élections apaisées. Aucune condition n'est réunie pour les élections transparentes. Aucune condition n'est réunie pour qu'on ne déplore pas de mort. Parce qu'au fil des élections présidentielles, nous l'avons vu, le nombre de morts va crescendo. Nous avons commencé en 93 avec un minimum de morts, plus de 87 morts. En 2016, nous sommes à 517 morts. Et nous ne voulons plus perdre un seul Gabonais. De par la faute de ceux qui veulent absolument s'approcher au pouvoir, alors que le bilan est totalement négatif. Mais on s'approche au pouvoir pour répondre aux besoins des populations. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons la situation sociopolitique de notre pays, et même économique, on se rend compte que le Gabon est dans un marasme absolu. Au plan économique, le Gabon croupit sous une dette de plus de 8 000 milliards de francs CFA, sans investissement conséquent en contrepartie. Autrement dit, personne ne sait ce à quoi a servi cet argent. Vous savez très bien que lorsqu'on va prêter de l'argent, vous allez à la banque faire un prêt, demander un crédit. C'est pour soit construire une maison, elle doit être visible, soit payer les études de vos enfants, cela est palpable, soit acheter un véhicule, cela est palpable. Mais on a compromis 4 générations avec cette dette, mais on ne sait pas trop à quoi cet argent a servi. Autrement dit, nos enfants qui ne sont même pas encore nés sont déjà endettés. Mes chers compatriotes, lorsqu'on regarde le chômage,
le chômage est endémique, avec plus de 45% du taux de chômage. C'est inédit, parce que dans aucun pays au monde, on est atteint de telles proportions. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sur 100 personnes aptes à travailler, valides à travailler, il y a la moitié qui est assise à la maison et qui ne peut pas travailler. Nous comprenons pourquoi nous faisons du surplace, parce que les forces vives ne peuvent plus apporter leur main à l'étrier pour le développement de notre pays. Ça aussi, c'est inadmissible. Mes chers compatriotes, on nous pose la question, pourquoi voulez-vous aller à la transition politique? Nous l'avons dit et nous le redirons toujours. Nous avons regardé par l'arrière, dans le rétroviseur. Nous avons vu qu'à chaque fois que le peuple gabonais a confié son destin à un des patriotes, ceux qui sont au pouvoir sont obligés d'arracher et de procéder à des coups d'État électoraux. Mais ce n'est pas que le peuple ne s'est pas mobilisé. Le peuple a voté. De 1993 à nos jours, l'opposition n'a jamais perdu une élection présidentielle. Mais malheureusement, l'opposition n'a jamais géré. Et pour arriver à conjuguer et à mettre cet aspect de côté, nous avons estimé qu'il fallait expérimenter une autre vision pour notre pays. Nous avons commencé à parler, et là nous sommes ici à l'invitation des sages de la République, avec qui nous faisons fusion, parce que c'est une même vision que nous défendons. Nous sommes dans le cadre de la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon, avec beaucoup de partenaires. Nous sommes plusieurs partis politiques qui avions compris plus tôt qu'il fallait passer par cette voie, parce que dites-vous bien que depuis 2016, nous ne savons pas qui gère le Gabon. Depuis 2016, Jean-Ping et la CNR avaient réclamé la vacance de pouvoir. Vous savez très bien, quand on demande la vacance, c'est que face à nous, il n'y a personne. Mais nous avons constaté que les tenants du pouvoir ont tout fait pour modifier la Constitution, notamment en apportant des éléments qui n'étaient pas susceptibles d'être à l'intérieur sans avoir passé par le Parlement ou le peuple gabonais. On a apporté une notion d'indisponibilité temporaire. Mais l'indisponibilité temporaire pendant 5 ans, parce que vous avez appris de sa propre bouche qu'il a été absent parmi nous pendant 5 ans. Qui gérait le pays? Oh, c'est du Gabon, non. En fait, c'est pour Gabon que nous pouvons voir les choses comme ça. Et c'est pourquoi nous venons vers le peuple, pour que ce peuple-là puisse prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas l'admettre que de sa propre bouche, il dit qu'il n'était pas là, mais nous avons vu que les conseils des ministres ont siégé, qu'il y a eu des nominations, qu'il y a eu des réceptions des diplomates qui sont accrédités dans notre pays. Qui a donc procédé à toutes ces rencontres? Sommes-nous en droit de nous poser la question? Ça voudrait dire qu'il y a un système qui est derrière. Et c'est ce système qui fait en sorte que malgré la victoire de l'opposition dans les urnes, le système se mobilise pour faire échec à la volonté populaire. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait passer par cette transition politique qui est exclusive. Nous n'excluons même pas ceux qui sont face à nous, parce que lorsqu'on veut construire un pays, on ne le construit pas sur la base de la haine ou sur la base des règlements de compte. C'est pourquoi nous avons appelé à une transition politique pacifique. Parce qu'il y a plusieurs formes de transition, mais nous avons choisi la forme pacifique et politique. De sorte que nos frères en face, qui ne sont pas nos ennemis, mais qui sont aussi des Gabonais, et parmi eux, il y a beaucoup qui aspirent à cette transition politique et pacifique. Nous avons rencontré beaucoup de dignitaires dans leur camp qui disent qu'ils butent par le fait qu'il y a une jeune élite dans leur camp qui va dans l'air et qui veut absolument passer par des élections, alors que devant
avant ces élections, c'est encore un cortège de morts que nous attendons. Lorsque nous sommes passés par la transition constitutionnelle ou alors l'intérimaire en 2009, nous avons vu que les tenants du pouvoir ont tout fait pour la conservation du pouvoir. Donc, appeler à une vacance de pouvoir à l'époque équivalait à ce qu'on implémente l'aspect constitutionnel de la chose. Puisque s'ils ont arraché le pouvoir, ce n'était pas pour demander, pour donner encore ce pouvoir-là à travers une vacance de pouvoir. Parce que la vacance de pouvoir doit être proclamée par les membres du gouvernement, doit être demandée par le Premier ministre. Or, ils ne sont pas disposés à passer par cette voie. Et par conséquent, nous avons dit qu'il fallait passer par une transition politique, qui est une période pendant laquelle nous allons donc inviter toutes les intelligences de notre pays et toutes les forces vives, à savoir les politiques, les confessions religieuses, la société civile, les chefs coutumiers, la diaspora, les forces de sécurité et de défense, mais également nos partenaires. Vous avez écouté tout à l'heure Papa Révangé interpeller la France, parce qu'effectivement, la France joue un rôle dans la situation actuelle de notre pays et d'autres pays francophones. Donc, nous avons estimé qu'il fallait s'asseoir, pas pour contrer les élections, mais pour organiser les meilleures élections possibles, qui soient avec zéro mort, qui soient transparentes, qui soient données à celui à qui le peuple veut voir présider à son destin. C'est de cela dont il est question. Mes chers compatriotes, nous avons estimé que lors de cette transition politique, personne ne viendra imposer quoi que ce soit, mais c'est consensuellement, je dis bien consensuellement, que nous allons nous asseoir pour d'abord, un, désigner l'exécutif de la transition. Un président de la transition désigné consensuellement. Un premier ministre de la transition désigné consensuellement, un gouvernement de transition qui aura des missions particulières. Parmi ces missions, la dissolution du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. A contrario, on met en place et nos constituants. C'est cette constitution qui va se mettre à l'œuvre pour rédiger la nouvelle constitution de la République qui soit non seulement impartiale, mais également avec des articles intangibles qu'aucun président ne pourra modifier lorsqu'il arrive au pouvoir. Quelques exemples d'articles intangibles, c'est que le président de la République, le candidat à l'élection du président de la République, doit être de père et de mère gabonais. À la limite, le président de la République devrait même aussi avoir une épouse gabonaise. Mais tout cela doit être discuté pendant la transition politique et particulière. Une fois que la Constitution est rédigée, on revoit le code électoral. Parce que ce code électoral, vous voyez même comment on est en train de le dire. On se lève un beau matin, on dit on enlève maintenant ceci, on ajoute autre chose. Non, tout ceci, ce sont des mécanismes de conservation de pouvoir. Et nous ne pourrons pas accepter que cela perdure, parce que c'est source, effectivement, de fraude. Donc, nous revoyons le code électoral, nous le revoyons consensuellement, et je dis au passage que lors de cette transition politique, il n'y aura pas d'opposition d'un côté et la majorité de l'autre. Ce sont des Gabonais de tous bords et de toutes conditions qui doivent rédiger et parler Gabon d'abord. Il faut mettre de côté nos intérêts particuliers. Il faut mettre de côté
des intérêts ventre-là qui ne regardent qu'à notre ventre. Non. Il faut d'abord placer le Gabon au-dessus de tout parce que c'est le Gabon qui est notre mère patrie. Au-dessus du Gabon, il n'y a aucun intérêt autre qui puisse être au-dessus. Nous avons certainement des intérêts, mais ce sont des intérêts partisans qui ne répondent pas aux intérêts de l'armée. Et c'est pourquoi le Gabon d'abord doit être notre leitmotiv. Une fois le code électoral rédigé, il va falloir également procéder au nouveau redécoupage électoral. Parce que là aussi, les tenants du pouvoir se sont arrogés à faire un découpage qui, même si la majorité reviendrait à l'opposition demain, ils auront la possibilité d'avoir une minorité de blocage. Et c'est pourquoi vous pouvez voir dans le Haut-Ogooué, il y a 23 députés contre 26 dans l'Estuaire, alors que l'Estuaire a plus de la moitié de la population gabonaise, contre 250 000 habitants pour le Haut-Ogooué. Ils ont donc saucissonné le Haut-Ogooué pour avoir le maximum de députés pour assurer cette minorité de blocage. Ça voudrait dire, s'ils ont déjà cette minorité de blocage, ils peuvent empêcher que le président de la République, qui serait de l'opposition, puisse travailler convenablement. Donc, cela a été fait à dessein, parce qu'ils craignaient effectivement que l'opposition arrive au pouvoir, quel qu'en soit le moyen. Donc, on revoit le code électoral. J'aime prendre cet exemple du 3e arrondissement et de Cocobiche. J'ai mon secrétaire exécutif, Madame Leroux, pouvez vous lever. Elle a été candidate du 3e arrondissement. Elle a échoué avec 5000 voix. Mais Michel Nenga a gagné à Cocobiche avec 180 voix. Voyez un peu l'incongruité de la situation actuelle. Donc, ce sont ces choses-là qu'il va falloir réparer avant de parler d'élection. Donc, on revoit le découpage électoral, on revoit l'émission de la Cour constitutionnelle, parce que là aussi, il va falloir ne laisser à la Cour que l'aspect constitutionnalité des lois. Qu'on enlève tout ce qui a trait aux élections à la Cour constitutionnelle, parce que nous savons le rôle que joue la Cour constitutionnelle. Comme quelqu'un pourrait le dire, une tour de Pise. Ensuite, on revoit le statut des forces de sécurité et de défense. Parce qu'en réalité, ces forces de sécurité et de défense ne sont pas républicaines. Comme nous le voyons de par ailleurs, lorsque le peuple se lève, les forces de sécurité se mettent du côté du peuple parce que le peuple a raison. On ne leur demande pas de se mettre contre les autorités parce qu'on le veut. Mais ils doivent voir quel est l'intérêt et quels sont les besoins et les attentes du peuple. Et à partir de ce moment, ils doivent prendre fait et cause pour le peuple. Et non tuer, massacrer le peuple qu'ils sont censés assurer la sécurité. Donc, on revoit le statut des forces de sécurité et de défense. Ensuite, pendant ce temps, il y a la mise en place d'une commission vérité-réconciliation. Dites-vous bien que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui s'approchent au pouvoir parce qu'ils ont la peur du lendemain. Ils se disent, si on laisse le pouvoir, que fera-t-on de nous? En réalité, c'est ce qui hante les esprits de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Si on accepte le verdict des urnes, qu'est-ce qu'on va faire de nous? Et nous préférons donc mourir au pouvoir, nous préférons donc nous approcher au pouvoir, quitte à faire couler le sang gabonais. Nous disons, pour rassurer ceux-là, qui ont peur de ce qu'ils deviendront demain, il va falloir organiser cette commission vérité-réconciliation autour d'une table. Nous allons laver le linge sale en famille. Et ils ont même la chance de négocier leur sortie honorable, parce qu'ils sont encore au pouvoir. Ils peuvent négocier leur sortie, de sorte que peut-être
on dira que si l'alternance est arrivée, parce qu'ils ont aussi accepté quelque part. Oui. Donc, il va falloir rassurer ceux d'en face. Il ne faudrait pas adopter des attitudes de va-t-en-guerre, parce que nous savons très bien que si transition il y a, cette transition ne peut arriver qu'avec l'accord de tous les Gabonais, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, il va falloir que pendant cette période, nous discutions. J'ai posé tel acte qui est répréhensible, je demande pardon au peuple gabonais, et le peuple gabonais qui n'est pas un peuple belliqueux, certainement acceptera mon pardon et nous repartons sur de nouvelles bases. Si j'ai quelqu'un à voler, à détourner 100 milliards, on lui dira, j'ai mon patriote, 100 milliards c'est trop pour toi seul. Alors donc, si tu veux vivre en paix dans ton pays, ramène-nous 98 milliards, reste avec quand même 2 milliards. Bravo! Donc, si on a tué, vous avez plusieurs décès, plusieurs compatriotes, plusieurs martyrs. Il va falloir effectivement trouver des mécanismes d'apaisement pour indemniser non seulement ceux qui ont perdu les parents, mais également ceux qui ont perdu des biens publics et privés. Il va falloir, pendant cette commission vérité-réconciliation, régler tous ces différends pour que nous assainissions le climat avant de prétendre parler d'élection. Bravo. Et ce n'est qu'à partir de ce moment où nous savons que le code électoral a été correctement adopté par référendum, la constitution par référendum, ça veut dire consensuellement, si nous avons revu les prérogatives de la Cour constitutionnelle, le code électoral, le nouveau redécoupage électoral, commission vérité-réconciliation, sortie de là, sans problème, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on dira à l'exécutif de la transition, on peut maintenant organiser les élections qui soient des élections honnêtes, transparentes, crédibles, avec l'implication de la communauté internationale. Voilà ce que nous disons. En plus, ceux qui gèrent cette transition, à savoir le président de transition et le premier ministre de transition, ne pourront se porter candidats à ces élections organisées par eux-mêmes. Bravo! Tout ceci pour garantir effectivement la fiabilité des résultats de ces élections et éviter le principe de ce qu'ils soient juges et partis. Voilà, mes chers compatriotes. Mais lorsque le Premier ministre dit qu'il n'y a pas de temps, il n'y aura pas de transition, c'est parce que peut-être il ne sillonne pas les quartiers comme nous autres. Parce que nous savons que la marmite a atteint le degré d'ébullition à telle enseigne que si on y prend garde, ça va exploser. Et il faut éviter que le peuple gabonais, qui a cessé de se plaindre, que ce peuple gabonais prenne d'autres options. Parce que nous ne voulons pas exposer notre pays. Regardez certains événements. On a nommé quelqu'un à la tête de la SNG. Vous avez vu la réaction. Le Gabonais aujourd'hui a le sentiment qu'il est maltraité dans son propre pays par des gens venus d'ailleurs. C'est ça même. Et là, s'il y a seulement une seule étincelle, ça peut embraser le pays. Mais je ne sais pas si ceux qui sont en face, parce que je pense que gouverner, c'est prévoir. Oui. Mais à la limite, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien prévu et n'entendent pas le cri des Gabonais. Toutes les conditions sont réunies pour une implosion. Tout est réuni. Et là où prospèrent, par exemple, les Boko Haram et les autres, mais ça prospère dans une situation où le peuple ne se reconnaît plus en ses dirigeants. Là où le peuple vit dans une pauvreté absolue, il suffit tout simplement qu'on vienne leur faire des propositions, ils acceptent d'être des kamikazes. Mais il y a tellement de choses qui nous font croire
que si on y prend garde, le Gabon risque de sauter. À beau vouloir étouffer le couvercle, même si ce sera une cocotte minute, cette cocotte minute va sauter. Et c'est pourquoi nous appelons à la sagacité de ceux qui sont face à nous, parce que nous avons déjà l'immense majorité du peuple avec nous qui partage la vision de la transition politique et pacifique. Je vais chuter par là en disant que j'ai été appelé avant-hier par... d'ailleurs, je passerai demain également à France 24, à part France 24, à RFI. Ils m'ont interrogé ce matin pour me dire « Nous avons constaté que le peuple gabonais a signé votre pétition à hauteur de 335 822 signataires. » Je me dis « Ah bon ?» Je dis « Oui. » Mais je dis « Quelle lecture faites-vous de cette analyse ?» Je dis « Mais aujourd'hui, on nous dit que le corps électoral est de 844 000, plus de 844 000 électeurs. Ça voudrait dire un tiers, plus d'un tiers, ne veut pas aller aux élections dans les conditions actuelles. J'ai dit, vous avez vu juste. Parce que le chef de l'État, en poste, en 2016, n'a eu que 177 722 voix. Et nous avons plus de la moitié. Ça voudrait dire, en réalité, si on va regarder ce corps électoral, il est truffé de beaucoup de doublons, il est truffé de beaucoup de morts, il est truffé véritablement pour gonfler. Parce qu'en réalité, quand on regarde, ce sont des stratégies de fraude qui sont déjà en train d'être implémentées. Et c'est pourquoi nous interpellons nos frères pour dire, aller aux élections dans de telles conditions, ce serait faire le jeu de ceux qui veulent absolument s'attriper au pouvoir. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mes chers compatriotes, je voudrais terminer par là pour dire que si nous nous sommes déplacés jusqu'ici, c'est parce que vous et nous avions la fibre patriotique. Nous voulons préserver notre pays. Et pour préserver notre pays, il n'y a pas meilleure voie possible que de passer par cette transition politique pacifique. Nous n'appelons pas à l'insurrection. Nous n'appelons pas à une guerre civile. Nous n'appelons pas à un coup d'État militaire. Parce que nous savons ce qui en découle après. On sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Alors donc, ressaisissons-nous. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. N'ayons pas honte de dire que nous avons mal commencé et chez nous on dit tout ce qui commence mal finit toujours mal. À bon entendeur, salut. Super. Merci, s'il vous plaît. Merci, Minette Oba. Merci de rappeler. Mettez des...